J'arrive dans, dans les bras d'un dragon bleu qui me porte dans l'air, qui m'emmène sous la mer. Chantal, non, Chantal, tu te drogues, tu voudrais en parler, tu as envie de t'en sortir. Rien du tout. Ça, c'est les années canal, hein. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Bonsoir, pardon. Ça va. Voilà. Il aime beaucoup Chantal Goya. On a tous envie de baiser Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. Oui, on va faire une after, bien sûr. Mais là, sérieux. Sérieux, d'accord. Surtout que Chantal est la double promo. Chantal, double promo. Bonsoir. On coupera. Tout ça sera coupé. Triple promo. Triple promo. Oui. Et ouais. Mais j'en connais deux. Moi, mais il y a des gens qui font un double album pendant qu'on pose. Moi, j'ai le livre qui s'appelle Lagnac, qui est une autobiographie. Ouais. Et puis le CD et le DVD. Et le Palais des Congrès à Noël. Ah, mais bien entendu. Bah oui, bien sûr. Oui. Ah, bah oui, ah, ça, c'est pas sûr. Une connerie, ça. Non, du 18 au 22 décembre, ça fait que c'est une blague qu'on faisait dans les coulisses. Non, non. Alors, le CD, c'est un best-of. Le CD, c'est un best-of. Moi qui étais glacée, j'avais des... Je crois que Dominique a faim. Donc, il réclame. Alors, si on écoute bien, écoutez. Tu peux deviner ce qu'il a envie de manger, rien qu'au son de son rire. Pour moi, c'est du poisson, ce qu'il réclame. Oui, c'est vrai. J'ai échappé des autres 27 qu'on croyait fermés. Oui. Alors, le CD, donc, c'est un best-of, et le DVD, ben, c'est le spectacle Mystérieux Voyage de Marie-Rose. C'est quoi le pitch? C'est un petit garçon qui est... C'est une histoire vraie qui lui est arrivée quand il était pensionnaire, qui est tombé dans un lac glacé. Et évidemment, ce petit garçon, ben, moi, je suis celle qui va le retrouver. Et je me bats contre les quatre éléments du monde, la terre, le feu, l'eau et l'air, avec des enfants. Alors la terre, on va sous la terre, on rencontre des rats. C'est trop violent pour toi, mais tu vas t'y faire. Ah oui, c'est hard. On rencontre un dragon. C'est Bisounours, c'est Bisounours. Ah, on n'est plus dans le royaume des pâquerettes. C'est Bisounours. J'arrive dans les bras d'un dragon bleu qui me porte dans l'air, qui m'emmène sous la mer. Chantal. Non. Chantal, tu te drogues, tu voudrais en parler, tu as envie de t'en sortir. Rien du tout. Ça, c'est les années canal, hein. 84, c'est ça? Ah ouais, c'était il y a 20 ans. Pile. Alors, vous allez regarder votre caméra, Chantal, oui. Ici. Et partir. Oui. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Je rigole, Chantal. Mais je Chantal. Sais que tu rigoles, je te connais. Chantal, oh. Dites Magnéto Serge. Magnéto Serge. Serge, il est chiant. Il veut que vous le fassiez avec les oreilles de lapin. Magnéto Serge. Sérieusement, quand vous promenez dans la rue, est-ce que les enfants vont toujours vers vous naturellement? Non, c'est les grands qui m'embrassent. L'autre jour, j'ai un agent de police qui m'a arrêté, qui m'a dit... Alors, je dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh là là, bon, ça commence. Et il m'a dit, non, je ne vais vous demander qu'une chose. C'est parce que moi, je vous ai tellement aimé petite, quand j'avais 3 ans. Est-ce que vous pouvez me chanter le lapin? Ouais. Alors, moi, j'ai ouvert la fenêtre et je fais, ce matin, un lapin. Est-ce que vous pouvez le chanter à ma femme avec le portable? Il est fort, portable. Ce Béliveau, hein. Alors, j'ai chanté dans le portable. Hein, et il m'a dit, écoutez, à chaque fois que je serai là, je vous le demanderai parce que je vous aime trop. Non, c'est tous les grands. Ouais. C'est et les petits vous... Mais les tout petits. Bah, elle les fait pleurer. Hein. Les tout petits me connaissent moins. C'est leur maman et leur papa parce que c'est génération 1980, génération Goya, comme on l'appelle. Quand les petits vous demandent comment on fait des enfants, vous répondez quoi, Chantal? Avec la bite. Comme tout le monde. Non, alors. C'est bien. Non, mais elle le sait, Chantal. Tu as des enfants, Chantal. Si un petit de 8 ans vous demande comment on fait des enfants, vous dites pas avec la bite, j'imagine. Non. Dans un chou. Avec la bite, mais dans un chou. Ah oui, pour 8 ans. Non, vous dites quoi, Chantal? Vous dites quoi? Je dis que tu vas voir. Tu as un petit fiancé que tu adores. Ouais. Et puis. Mais c'est compliqué ce que vous me demandez là. Bah non, tiens, Chantal. Alors, non. Papier crayon. Mais ils ont des parents, c'est leurs parents qui leur expliquent. Non, mais les parents sont pas, foutus de faire leur boulot de parents, vous savez bien. Ils ont tous démissionné, les parents, depuis mai 68. Je dis que ça se fait Chantal. Naturellement avec une partie de notre corps. Laquelle? Qui est. Ah bah voilà. Qui vont, voilà. La foufoune, voilà. Bah voilà, tout simplement. Ouais. Et puis c'est très agréable, et puis ça se passe très bien. Bah voilà, ouais. La foufoune volante, ce ne sera pas bien pour le Palais des Congrès. C'est pas une belle affiche pour le Palais des Congrès. Ça peut intéresser Sophie et même les chansons petites. Quand les enfants vous demandent pourquoi c'est pas bien la drogue, vous dites quoi? Ah, bah moi je dis que c'est de la merde. Non, vous avez pas raison, parce qu'en disant ça, les gens vont pas vous croire, ils vont aller en prendre quand même. Donc, parce que quand on dit que c'est de la merde, on a du mal à croire que c'est de la merde et que tout le monde en prenne. Bah, à ce prix-là, oui, les gens ne croient pas.
surtout à 70 euros le gramme, quoi. C'est très grave. Même si on touche à 50, c'est si on achète grave, en gros. C'est très grave, la drogue. Vous n'avez jamais pris, vous, de la moi, drogue. Moi, jamais, mon pauvre, je ne fume même pas une cigarette. Ah, vous n'avez jamais pris jamais de drogue de votre vie. Jamais fumé et jamais d'alcool. Et alors, quand, mettons, un petit enfant vous dit, maman, pourquoi j'ai le zizi tout dur, vous dites quoi, mettons, Est-ce que Bécassine aime la pince? C'est la question que beaucoup de gens se posent chez eux. Vraiment, c'est une vraie question. Oui ou non? Demandez-lui. Bien, alors ça, donc, c'était le DVD, le CD, Laurent. Maintenant, on va passer au livre, il s'appelle Lagnac, hein, chez Jacques-Marie Lafont, éditeur. Alors là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, votre côté un peu enfant attardé, parce que finalement... Comment enfant attardé? Enlève enfant. Chantal, je vais vous dire. Non. Laissez-moi finir, parce qu'après, il y avait l'explication, c'était mais pas voilà, juste... Alors, d'accord. Non, mais... Thierry, je te rappelle que Chantal a peur, elle a le trac, il faut l'aider non, à faire mais cette oui, émission. Mais oui, mais c'était pas... Écoute bien. Pose bisous. Pose bisous. Pose bisous. Eh bien, on va la tuer, bien, on va la pécho. Non, j'étais là avant. Bon, servez, monsieur. Oh là là, ils sont tous là. Oh. Non, mais... Pas, je parle en même temps. Il n'y a pas de posture lieu. Tu écoutes ce que vont dire les gens. Là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, un peu enfant attardé. Quand on sait que vous avez eu une prime enfance en Indochine à l'époque coloniale, c'est ce qu'on apprend en lisant le livre, et que vous avez gardé de cette époque des souvenirs magiques, période très heureuse près de Saïgon, les vacances dans les montagnes, à Dalat, au Cambodge, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Et le père de Chantal dirigeait une plantation d'EVA de 40 000 hectares. Il a été obligé de fuir le pays. Ça a été l'exode. Vous êtes retrouvé en métropole après un voyage épouvantable. Et là, vous vous retrouvez à Paris dans un minuscule appartement de 57 sombre, mètres carrés. Avec des grands-parents insupportables. Voilà. Et vous recréez votre enfance en Indochine, voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire mais que... Non, mais c'est très gentil. Voilà. C'est vrai, vous avez non, toute votre vie que... cherché à retrouver oui. cette prime enfance indochinoise. Que j'ai pas eu vraiment. Avec les pousses, avec les grands arbres. Les tir-tir, enfin, l'Indochine. Non, j'avais une Chinoise qui s'occupait de moi, qui est une Assam, qui est une femme sacrée, qui a dû me donner quelque chose d'important parce que mes frères et sœurs n'ont pas un petit peu cette espèce de tonus que j'ai. Ouais. Et je traverse toutes les difficultés, toujours avec... optimisme. Ouais, Lagnac. Mais, voilà. Mais c'est vrai que déjà, toute petite, j'ai traversé des difficultés sans même me rendre compte. Par exemple, quand il y avait les Japonais qui étaient au pied de la maison et qui voulaient assassiner, qui ont assassiné beaucoup de Français, moi j'étais cachée sous un lit, je crois, où mon frère était dans un placard. Et moi, évidemment, quand maman regardait à travers les volets ce qui se passait, parce que les Vietnamiens nous aimaient beaucoup et nous aidaient, ben moi, j'ai traversé la maison, j'ai descendu l'escalier, j'ai demandé à l'armée de me lasser mon lacet de chaussures. Voilà. Et alors, ils se sont baissés, ils ont lassé mon lacet de chaussures et puis ils sont partis. Et la famille était sauvée. Voilà. Alors, deuxième choc de votre vie, votre rencontre avec les Beatles. Oui. Tous les quatre. À l'époque, vous sortez avec le fils du duc et la duchesse de Bedford. Un cul de portée. Gilles. Ouais. Vous ne saviez même pas que c'était le fils du duc et la duchesse de Bedford. Non. Ouais. Non, parce que nous, on allait dans des soirées au Regins à Paris, l'après-midi, c'était les soirées de l'après-midi. Moi, on ne posait pas de questions, qu'est-ce que fait ton père, ta mère? Et quand j'étais à Londres et que j'étais au père, Gilles m'a dit, je t'emmènerai chez mes parents en week-end ou en vacances ou déjeuner, je ne sais plus déjeuner. Ouais. Alors, il est venu, je me suis rhabillée, après j'ai enlevé tous mes tabliers et autres. Et puis, je ne savais pas où j'étais tombée, je n'en croyais pas mes yeux. Et ils m'ont dit, à déjeuner, il y aura des gens importants qui viendront. Et dans la grande salle à et là, manger... Et les frères Jacques qui était rempli. Non, je lui dis une fois pour toutes. Arrête avec les frères Jacques. Je coupe au montage systématiquement. Non, ce sont des stars, les frères Jacques. Mais oui, ils sont vivants. Et sont tu le sais que je le coupe au montage, les frères Jacques. Tu as tort. Tu finiras tout seul. Ginette Garcin, si, mais les frères Jacques, je sais que tu coupes. C'est coupé au montage. Ça, si, c'est dommage, parce que ça fait tout le temps. À une époque, tu as laissé Dev, donc j'ai bon espoir. Et les compagnons de la chanson. Je le coupe aussi. C'est vrai, Mathé Altéry. Colette Renard. Ah non, pas Colette. Pascal Sevran, non, il se barre tout seul. Pascal Sevran. Et là, il y avait donc ces quatre personnages qui sont arrivés. Et là, j'ai halluciné. C'était les Beatles les qui Beatles. Venaient déjeuner. Voilà, c'était ils t'ont plus impressionné que Riri, Fifi et Lolo. Bah, ils n'étaient que trois. Attends, tu te rends compte, ils chantaient à l'époque que... She Loves You, c'était. She Loves You, yeah, yeah, yeah. Ouais. Enfin, c'était à lui. Moi, pour moi, je n'en revenais pas. Hein. Ouais.
Et alors, le choc suivant, ça a été votre rencontre avec Jean-Jacques Debout. Là, ça a été love at first sight. Hein. C'est-à-dire qu'à peine il vous a vu, il vous dit « J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. On se mariera, on aura deux enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. » En attendant, on va baiser, il a rajouté. C'est vrai. Pas tout de suite. C'est incroyable, c'est ouais. vrai. Alors, je lui ai dit « Bon, on se les mariera. » Les enfants, je veux bien. On se mariera peut-être. Chanter, certainement pas, parce que y a, je n'ai pas vraiment une voix de... Ouais. Alors, quant à l'opéra, si j'étais Maria Callas, ça serait. Ouais. Et avoir deux enfants, bon, ça peut être possible. Et ben voilà, et tout ce qui est arrivé alors, est arrivé. Quand même, il vous propose de le suivre en Antibes parce qu'il allait participer à la Rose d'Or avec cette géniale chanson qui s'appelle « Nos doigts se sont croisés ouais. ». Et il vous oublie à Paris. Mais complètement, ça c'est et vous auriez dû vous méfier. Un mec qui vous fait ça, c'est-à-dire un mec, vous le rencontrez, il vous promet de vous épouser, de vous faire deux enfants, il vous invite à Antibes et il part sans vous, ça aurait dû vous servir de leçon. Je comprends que vous ayez persévéré au-delà de ça. Ah non, parce que moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand t'oublies. Ah, moi, quand un homme me dit ça, c'est qu'il a vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je veux aller plus loin. Ah bon. Mais s'il me dit, oh, allez, viens, ça y est. Oh, mais le je fait le que vous ayez oublié à Paris, ça vous a pas servi de non, leçon. Ça l'a excité grave. Pas du tout. Vous êtes obligé d'y aller avec quelqu'un d'autre, finalement. Non, parce que j'avais fait un gros mensonge à mes parents. Je leur avais dit que je partais un week-end chez une copine. Donc mon père m'a dit, je voudrais voir quand même ce que tu as dans ton sac. Alors j'ai montré un jean, des tennis. Et après, je ne pouvais plus rentrer parce que j'avais... Non, je ne pouvais pas... J'ai dit, il faut que j'y aille. Et puis, j'ai vous y êtes allé. Et il a gagné. Alors, il avait arraché le chèque au maire. Il y avait un chèque de 10 000 francs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une maison. Il fait toujours ça. Ah ben bah, voilà. Avec 10 000 francs. En ruine. Ah, bah, attends, une fois, il a acheté un bateau avec un chèque de 200 francs. Il avait rajouté 3 zéros. C'est vrai ou pas? Oui. Non. Et vous méfiez... J'étais à la maison. J'avais un chèque pour de l'essence. Je ne sais pas quoi. Il est allé au salon nautique. Bon, je ne fais même pas attention. Moi, je reviens le soir à genre minuit. Et je vois dans mon salon Tabarly et Eric Petitpas. Bon, ils étaient tous là autour d'un grand, d'un énorme plan de bateau. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il me dit, ah ben oui, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ça y est, j'ai acheté un très beau bateau, Leptide, qui avait été construit par John Alden. Je dis, mais comment on va faire? Et il me dit, bah oui, non, mais on s'arrangera et tout. Oh là là, j'ai appelé les ateliers de la Trinité, c'était pas là. J'ai appelé tous les chantiers de Roland et c'était là. Et là, j'ai été prendre un train, j'étais chercher mon chèque et puis le bateau, on un chèque de 200 francs, le mec il rajoute 3-0, il achète un bateau. Ouais, ouais. Donc à 19 ans, vous installez avec lui et au bout d'un moment, vous avez envie de faire du journalisme. Vous allez voir Daniel Filipacchi en lui disant, je veux travailler dans la presse. Ouais. Et lui, vous propose de chanter voilà. des chansons de Jean-Jacques Debout. Et qu'est-ce que je chante? C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. Voilà. Et Daniel l'a mis sur Salut les copains. Et puis et voilà. Voilà, j'étais affolée. Et là, alors, pire que tout, vous tournez avec Jean-Luc Godard qui vous demande de vous déshabiller. C'est pour masculin, féminin. Et vous refusez de vous mettre toute nue. Oui. Pourquoi? Vous avez... Bah, d'abord, j'étais enceinte de mon fils et je ne voulais pas le dire. Bon, ça commençait bien. Et on n'était pas mariés. Ouais. Et j'ai su vraiment... j'étais enceinte de 3 mois. Et j'ai dit à Marlène, comment je peux faire? Marlène Jobert, comment je peux faire? Je veux pas... D'abord, je ne veux pas me foutre à poil, ça je veux pas. Elle me dit, t'inquiète pas, tu vas te cacher sous le lavabo et moi, je vais passer une fois et deux fois. Je vais passer en faisant des gestes à toi et puis moi, je vais passer à ma façon. Je dis, OK. Et moi, je t'ai planqué sous le lavabo. Puis Godard a dit, mais c'est bizarre, on dirait la même silhouette qui passe. Il a ouvert la porte, il m'a dit, mais dis donc, tu te fiches de moi, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Je dis, bah, moi, je ne vais pas tourner à poil. Alors, je lui dis, tu ne seras jamais une vedette. Je dis, je m'en fous, la seule vedette que je connais, c'est ma machine à laver. Alors, du coup... Bonne vanne. Du coup, il m'a... Et puis voilà. Non, mais il y a aussi la même chose quand j'étais en Allemagne, je devais faire un très grand film. Et là, je devais tourner avec faire un vrai baiser avec un garçon que j'ai arrivé. Oh, bah attends, t'es pas Mike Brandt du tout. Oh! Une horreur! Je récupère. Alors j'ai dit, j'espère que c'est pas celui-là. Et c'était évidemment celui-là. Et bel baiser, j'étais comme ça. Mmh. Alors on m'a dit, bon, vous virez, terminé, plus de film. C'est marrant ça. Vous aimez pas vous balader à poil, embrasser les garçons? Non. Hein. Comment non. ça se fait? Parce que je réserve ça à Jean-Jacques. Alors après, bon, mais c'est l'époque des succès. Vous inventez avec Jean-Jacques Debout le musical pour enfants. C'est vous qui avez inventé ça? Oui. Tout ça sera coupé au montage. À quel âge t'as baisé pour la première fois? Non! Ça suffit. Non, on en arrive maintenant à. Bon, ça va. Ah, tu vois. Alors, le vendredi 13 décembre 1985. Ça porte malheur, déjà. Patrick Sabatier vous reçoit dans le jeu de la vérité. Vous appellerez cette émission un meurtre en direct. Oui.
Et ce n'est que 8 ans plus tard que vous pouvez regarder la cassette de l'émission et vous dites « J'ai vu une folle qui parle ». Bah moi, d'abord, j'avais pas voulu la faire parce que j'étais en plein spectacle du mystérieux voyage de Marie-Rose que vous avez vu. Ouais. Et moi, j'avais dit, ça sert à rien, puisque c'est tellement archi-complet, je me vois pas dans une émission où des adultes vont me parler. Ouais. Donc, ils m'ont dit, non, ce seront des enfants qui vont venir vous parler. Ouais. À ce moment-là, j'ai douté un peu, et Jean-Jacques m'a dit, il n'en est même pas question. Thierry Luluron, qui était là, m'a dit, Chantal, ils vont te planter, ça va être l'horreur. Et j'ai dit, OK, je la fais plus. Donc, j'ai appelé, et j'ai dit, on la fait plus. Et l'avant-veille, le réalisateur m'a dit « Écoute, on a notre amitié, tu devrais quand même la faire, ça sera magnifique, il y aura des belles choses. On va voir Jean-Jacques. » Je ne voyais pas Jean-Jacques, il ne veut pas. Finalement, tout le monde a tellement... C'est moi hein, qui suis allée au charbon, en fin de compte. Alors j'ai joué mon spectacle, et la veille, Jean-Jacques m'a dit « Tu vois, c'est bien, on a toutes les lignes de journaux, mais je peux te dire qu'à 10h-20, il n'y aura plus de Chantal Goya. » Oui. Tu vas au casse-pipe. Tu vas au casse-pipe. Et je me suis retrouvée avec ma robe rose, de Marie-Rose, dans mon décor, avec l'arbre, la forêt et tout, ayant joué l'après-midi, à 8h30, le même public devant moi, de 12 000 personnes, et pas une question d'enfant. Et moi, à chaque fois, je prenais tout au troisième degré. Alors, quand est-ce que vous passez à la chirurgie esthétique avec votre tronche? Je dis, oh, c'est pas grave, on verra un jour. Et puis, de toute manière... Ce qui s'est passé, Chantal... Non, et là-dessus, voilà, ce qui s'est passé, c'est que... C'est qu'en fait, vous croyez vous adresser aux enfants leur faisant des grimaces, en disant, je vais mettre les enfants dans ma poche, je vais leur faire des grimaces. Ouais, mais le réalisateur Rémy Grumbach, lui, il montre pas les gens. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre une fausse institutrice. Ouais. C'est elle qui a tout déclenché, c'est pas avant. Avant, je m'en sortais très bien, ça se passait bien. Mais cette fausse institutrice, quand je lui ai demandé de quelle classe vous êtes, elle a jamais pu me le dire. C'était, j'ai dit, bon, alors elle est fausse, elle est bidon, c'est fini, je suis dans un traquenard. Alors là, maintenant, j'ai dit à cette femme, bah écoutez, vous m'aimez pas, changez de chaîne. J'allais pas dire, madame, je suis une conne et je vous remercie. Ouais. Ça, c'est pas possible, devant plus tout mon public, puis j'aime pas dire ça, puis on n'est même pas question. Alors j'ai dit, bon, bah je pose mon micro, j'ai dit à Patrick, moi, je suis désolée, il y a Simone Signoret sur la 2, c'est beaucoup mieux que Chantal Goya, je m'adresse à mon public qui sont les enfants, et je chantais le lapin. Et là, j'ai posé mon micro, il y avait tous ces gosses devant moi qu'on ne montrait jamais. Ben voilà. Et le téléspectateur chez lui, il a cru que c'était à lui que vous faisiez les grimaces. Évidemment, parce que dans la panique, j'ai une espèce d'attaque de panique, j'étais terrorisée. Ouais. Et je me suis réfugiée dans le monde de l'enfance parce que j'étais Marie-Rose. Ouais. Et l'image, elle a été échangée. Ouais. Et moi, j'ai vu, quand je suis sortie de là, j'ai toujours pas compris à la fin de l'émission parce que tout le monde était dans la salle à crier Chantal, Chantal. Et quand je suis sortie, que j'ai vu la haie d'honneur de tous mes techniciens qui étaient pratiquement en larmes. Vous êtes arrivée dans la régie et là, vous tombez sur Jean-Jacques Debout, ivre mort. Mais Jean-Jacques, ils avaient tout compris. Jean-Jacques, il vivait mal tout ça. Il avait vu, il avait senti. C'était quelqu'un qui avait tout compris bien avant tout le monde. Ouais. Et étant donné qu'il est quand même la personne qui m'aime le plus et qui était proche de moi, il était malheureux. Ouais. Et finalement, on a mis 100 personnes au chômage. Et c'est pour ça que moi, comme je suis... Ça ne m'a pas cassé moi. Hein, parce que moi, j'étais vraie vis-à-vis de mon public. Quand j'ai fait le lapin et que j'ai dit changer de chaîne, aller voir Chantal Goya, c'est que vous ne m'aimez pas. C'était pour sauver tout le public des petits qui m'aimaient et être proche d'eux. Vous pensez qu'il y a eu une véritable volonté de nuire derrière cette histoire, Chantal? Ouais, évidemment, on fait pas... Attendez. Mais pourquoi? Moi, je vais vous dire... Pour quelle raison Patrick Sabatier et Rémy Grumbach auraient eu envie de vous nuire? Moi, je pense que... Enfin, j'ai pas encore la réponse exacte, mais je pense que... Il y avait de grandes jalousies qui circulaient dans... Enfin, les gens étaient assez jaloux de mon succès. Et il y a des gens qui m'adoraient et des gens qui m'aimaient pas. C'est normal, hein. Aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, car tu es culte. Non, mais je vais vous dire une chose. Et tu es une star pour les gosses, tu es culte pour les adultes, et tu es hyper populaire. Donc, Chantal Goya. Ça se termine bien. Tu as envie de faire un duo, toi. Hein, tu as des idées qui te montent. Hein. Chantal, non, mais je t'emmerde. Ça devait m'arriver. Je vais vous dire. Oui. Thierry, je vais vous dire. Ça devait m'arriver, cette histoire. Ouais. Et moi, je l'ai très bien prise parce que je me suis dit, c'est peut-être très triste tout ce qui vient de m'arriver, mais c'est un grand bonheur pour moi de retrouver mes petits-enfants, ma famille, enfin mes enfants que je ne voyais pas beaucoup, ma famille, mes amis, et d'être auprès du public qui me réconfortait tous les jours. Dites-moi, vous lui diriez quoi aujourd'hui à Patrick Sabatier s'il était là? S'il était vivant. Qui me présente sa maîtresse d'école. Ah oui? Je n'ai jamais vu. Ah oui? Je sais qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas institutrice. Ça, je le sais. Vous pensez que c'était quelqu'un qui était payé par la production?
Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'un journaliste n'a pas été plus loin dans cette histoire et n'a pas été voir qui était cette femme qui peut-être est très malheureuse dans son coin parce qu'elle en a pris plein la tronche aussi. Ouais. Autant que moi, hein. Parce qu'elle n'est pas institutrice. Aujourd'hui, tout va bien. Mais le lendemain de l'émission, tout allait bien. Si on vous fait aujourd'hui une émission comme le jeu de la vérité, par exemple, ouais. Vous craquez plus, on va voir. Hein. Regardez-moi. Ouais. Vous ne pensez pas que votre spectacle est nul à chier, Chantal Goya? Non, j'adore mon spectacle et je le jouerai jusqu'au bout. Non, on dit j'adore mon spectacle, je le jouerai jusqu'au bout, Marco. Vous ne pensez pas que vous abêtissez les enfants? Mais non, je ne les abêtis pas, ou si c'est votre choix. Vous pensez pas qu'à votre âge, il faudrait les laisser tranquilles, les ah enfants, non. Maintenant? Alors ça, il n'y a pas d'âge pour faire rêver. Ouais, donc ça, vous ne craquez plus certaine. Maintenant. Hein, c'est, oui. J'en suis sûre. Vous êtes endurcie, c'est bien. Ben, je me suis plus qu'endurcie, c'est que j'ai gardé ma sensibilité, mais j'ai un bon paravent devant. Ouais. Oui. D'où le nom. Alors, il y a un truc extraordinaire dans le bouquin, je trouve, c'est que vous fermez les yeux sur les aventures de Jean-Jacques Debout. C'est-à-dire, vous dites que vous l'avez jamais trompé. Non, jamais. Jamais, parce que, bon, c'est bon, non, 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 jamais. Vous n'avez jamais eu envie? Mais non. Mais non, parce que le premier mec que je rencontre, je lui parle que de Jean-Jacques, alors il en a ras-le-bol. Vous êtes jamais dit, celui-là, je me le fais? Mais non, je suis pas comme ça, moi. Oh là là, ouais. Attendez, avant que... Oh là là, il faut des... C'est avant très compliqué. Que le soulier, il vole, il faut... C'est très compliqué, ça se passe pas comme ça. Ouais. Je préfère avoir des moments tendres en regardant quelqu'un qui m'attendrit qu'aller tout de suite dans un lit, non, ça ouais. M'intéresse pas. Non, mais parce quand qu'après, même, ça fait, c'est terminé. Ça fait 40 ans que vous êtes avec... Bah oui, alors, c'est mon éternel fiancé. Pendant 40 ans... Attends, et moi, je le connais pas encore. Moi, je peux pas le croire, ça. Pendant 40 ans... Je le connais pas encore. Je ne le connais pas encore et c'est mon éternel fiancé, je n'arrêterai pas de le dire. Et puis je ne suis pas quelqu'un de... Ne faites pas votre... Non, il arrête de mettre du bois dans la cheminée. C'est beau, c'est beau, et que vous avez envie d'y croire, Thierry. Oui, c'est vous vrai, avez c'est envie vrai. D'y croire. Merci Alain, c'est vrai. Non, mais moi Jean-Jacques, je pense que notre histoire a toujours duré parce que, et durera parce que j'ai toujours laissé sa liberté. Dieu sait s'il aime bien sortir, voir des copains. Et des copines. Et lui, il rentre bourré, il dit bonjour madame, c'est un renouveau. C'est... Il t'a laissé la chaîne. Ça change à chaque fois. Oui, moi, j'ai toute ma liberté. D'abord, il vient jamais en tournée parce qu'il n'aime pas voyager. Il a très peur dans l'avion, il est sans mal. J'ai fait il tout est malin. J'ai fait le monde entier. Il a bien verrouillé l'histoire. Le monde entier. Sans lui, non, mais ça ne va pas. Il ne veut pas dormir à la maison parce que c'est au troisième. Non. Moi, c'est très clean. Il a le vertige, Laurent. Il est fort, c'est debout. C'est très clean dans ma tête. Et puis, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je suis tellement entière que je me connais, je deviendrai championne de Chistera si ça devait arriver. Ouais. Clac, clac, clac. Et puis, on fait une réunion au sommet, et puis chacun s'explique, et puis si ça va pas, ouais. Je prends ma valise, je m'en vais. Ah ouais. Mais là, ça fait 40 ans que ça dure. Ben oui. Il faut bien que le corps exulte quand même. Ben le corps, ça Jacques n'empêche Brel. Pas. Ça n'empêche pas qu'on peut très bien s'adorer et faire comme tout le monde. Hein. Bien. Mais il faut placer des chansons. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que comme on est souvent séparés, on se revoit et on s'adore. D'accord. Parce que si on est tout le temps collé, où vas-tu? Qu'est-ce collé, que tu serré. D'abord, on n'a jamais mis d'alliance. Ouais. Non, pas de geste à l'antenne. Non, on ne peut pas. Ah, on a quand même des enfants. Ça, oui, ça passe. Ah non, ça annonce que je suis partie plus. Dans le désert. Non. Non, mais c'est non. Service public. Hein. L'alliance que j'avais, c'était un rideau de. Ben oui, il avait oublié les alliances. Ça aurait dû vous servir de leçon, ça. Mais non. Un mec oublie les alliances. Tu veux absolument qu'il se sépare. Ça fait 40 ans. Mais elle aurait dû se séparer le premier jour. C'est ça non. Qui va lui plaire, je pense. Mais jamais. On va faire une interview monologue. Alors, Chantal Goya, est-ce que vous vous êtes déjà dit le prochain qui me parle du jeu de la vérité, je lui mets une grosse patate? Je crois que le prochain, je vais le faire. Mais comment t'as vécu ce jeu de la vérité, Chantal? Attends, heureusement que j'ai fait. Hein, toi, j'ai inventé le reality show quand même. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes déjà dit, si je retrouve cette putain d'institutrice, je lui défonce la gueule? Non. Est-ce que vous êtes déjà dit, bon, j'aime pas les enfants, mais tant pis. Ah non, je les adore. Est-ce que vous êtes déjà dit, il boit, d'accord, mais bon, il fait de bonnes chansons quand même. Il n'est pas alcoolique, Jean-Jacques. Il boit parce qu'il aime le bon vin, justement. Mais il boit jamais le matin, jamais à midi. Et si je dîne avec lui le soir, il boit pas. Il est génial. Non, il est straight. Il est arrivé à l'endoctriner, c'est incroyable. Vous êtes déjà dit, allez, après tout, mon mec est en prison. Ah non. Non. Il est au bout de ma rue, en plus. Vous êtes déjà dit, il est quand même bien gaulé, le capitaine Flamme. Qui vous? Non, le vrai. Non. Elle croit que c'est moi. C'était... Bah non, vous arrêtez je pas sais, de dire bah oui, je bien suis sûr. Capitaine Flamme. Vous êtes déjà dit non, 5 dans un seul lit, c'est trop. Oh bah oui. Pff. Puis ça fait compliqué. Quand même des couilles, un peu de mathématiques sur le service public. Non, mais c'est trop. Vous êtes déjà dit chanteuse, c'est peut-être pas mon truc finalement. C'est un exploit, hein, parce que j'étais pas partie pour être chanteuse. Ouais. Ça se voit pas. Hein, ça non, passe non, ça, mais hein. Je sais moi-même, parce que j'aimerais c'est bien trop, chanter hein, un peu mieux. Mais... Vous êtes déjà dit, j'ai envie de mourir là. Oui, je peux mourir, mais ma grande hantise, c'est qu'est-ce qu'on va faire de moi?
Où est-ce qu'on une va chanson. Le mettre? Non, mais... Ce matin. Non, mais j'ai rêvé qu'on savait pas. Décédée. J'ai rêvé qu'on savait pas où mettre, que tout le monde me disait mais où est-ce qu'on va la mettre et c'était une horreur. Ouais. Vous êtes déjà dit, allez hop ma grosse, au régime. Oui. Quand? Parce qu'il y a 3 ans, j'ai essayé une robe et la vendeuse elle m'a dit vous inquiétez pas quand vous aurez fait votre bébé ça ira, la robe vous ira mieux. Ah, j'ai dit mais non c'est mon bide. Alors, bon, ouais, donc toutes les autres, elles ont rentré leur bide, j'ai mis décontractez-vous. Vous êtes déjà dit, et si je me faisais refaire les seins? Ah non, pas du tout, ils vont très bien. Au moins un, essaye. Ah ça... non. Non, mais... non, si ils vont si très bien. Si ça te plaît pas, tu fais pas l'autre. Ils sont à moi et ils vont bien. Vous êtes déjà dit, putain, mais qu'est-ce que je fous au Queen à 3h du matin avec tous ces connards en train de chanter non, Papa pas Ballon? Non, pas tous ces connards, mais des fois je me dis... Il est 4h du matin, ouais. J'ai toujours pas chanté, ils sont tous comme des fous. J'ai payé 8000 balles, Jean-Jacques n'est pas là. Je commence à m'endormir, il va falloir que ça va être catastrophique. Et ben non, j'ai la pêche et j'y vais. Ils font Papa Ballon à 32 ans, ça vous fait pas flipper ça? Pas du tout, c'est... Non, ça veut dire que je suis le repère de leur enfance et c'est un beau cadeau. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.